Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, puisqu'aujourd'hui, c'est un micro-trottoir à Casablanca. Et aujourd'hui, je suis accompagné de... Mathias. On va faire un micro-trottoir avec des inconnus, avec des Casaouis, des personnes d'ici. On est à Anfa Place. C'est quoi le thème, là? Le thème, c'est... Est-ce que l'argent fait le bonheur? Oh, c'est parti! Allez, on y va, les amis. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like. Ça fait plaisir. Voilà, soutenez-nous. Il arrive! Il arrive, Yasser, Digital Nomade, mais quelle course! Il est parti! Mais venez! Venez! Venez avec moi! Ça n'a aucun sens! Il est parti! Et quel homme! Il y va! Un petit mot, s'il vous plaît! Écoutez, je suis très fier d'avoir réussi cette course. C'est 42 km. C'est les 42 km de toute ma vie. Ah, c'est chaud! Ici à Casablanca. Bon, avant de rencontrer ces gens-là, est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est bon, je le connais trop. Ils vont dire: l'argent, c'est un moyen. C'est un outil pour essayer de s'expatrier dans notre pays, ça n'est pas une finalité. Voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Voilà, c'est bon, voilà, ça. C'est un moyen, ce n'est pas une finalité, comme il l'a dit. Ah, je peux vous le dire, là. J'ai 21 ans, depuis mes 18 ans, il me lâche ça. Ah. On va changer de disque. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de foufou dans cette plage? Je ne sais pas. Oh là là, c'est fou. Bon, tu parles français? Immédiatement. Tu parles français? Immédiatement. Attention, excusez-moi, madame. J'ai une question, madame. Madame, j'ai une question. Salam. Agi. Comment tu t'appelles? Youssef, tu parles un peu français? Oh, ça va. Ok, j'ai une question. Aujourd'hui, on veut savoir, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ben, en vrai, c'est une question... ça dépend. Vas-y, en ça fait... m'intéresse. Attends, laisse-moi, je peux réfléchir un peu. Bien sûr. Tu t'appelles comment? Kenza. Vas-y, pose-lui la question. Ok, Kenza, aujourd'hui, le sujet, c'est portugaise-marocaine. Ouais. T'as quel âge? 21 ans. 21 ans, félicitations. Merci. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Ouais. Oh là, les trois, les quatre mousquetaires. Oh, les gars, on a trouvé des braqueurs. Oh. Yalla, lab. Ouais. Tu as quel âge? 28. 28. Voilà. Casaoui, t'es Casaoui. Casaoui, d'origine. D'origine. Ok. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un footballeur. Rajaoui ou Didi? Rajaoui. Ok, ça marche. Ça crée des débats. Aujourd'hui, le thème, c'est... Est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent fait le bonheur, mais... Naïda. En gros, l'argent peut faire un certain bonheur matériel. Okay. En gros, tu peux acheter des voitures, par exemple, qui font le bonheur pour les autres. Une consommation, ça s'appelle ostentatoire. Je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais, bien sûr. Mais aussi, le bonheur peut aussi exister par l'amour, du coup, qui peut passer sans l'argent. Voilà, c'est tout. Excellent, t'as quel âge? 16 ans. 16 ans. T'es Casaoui? Ouais. Tu fais quoi dans la vie? T'es lycéen? Ouais. Ok, ça marche. Tu veux faire quoi plus tard? Je pense que je vais faire une école de co. Super. Ouais, super. Prépa, école. Mais tu sais quoi, je te souhaite le meilleur. Merci. C'est quoi votre chaîne? Je te souhaite le bonheur. C'est le bonheur. C'est quoi votre chaîne? après l'argent. D'abord le bonheur, après l'argent. Et pourquoi? Parce que l'argent fait le bonheur. Tu peux tout acheter avec l'argent et ça va te rendre heureux. Bon, mais si t'as de l'argent mais que t'es seul? Bah, c'est super. Comme ça, ne partage pas. Je vis ma vie comme ça, j'ai de l'argent, je suis seule. D'accord, ok, ouais. Super. Bah, donc super. Toi, sans argent, t'es malheureuse avec l'argent, ouais. T'es heureuse. Ouais. Et là, du coup, t'es heureuse ou t'es malheureuse? Ouais, je suis heureuse. Ah, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Ouais. Let's go. Ouais, Mathias, ouais, on va voir. Ça va, Mathias? Quel âme, Mathias? Arara. Oh. Oui. Oh, Ronaldinho. Oh là là, il est chaud. Oui. Il est chaud. Quelle performance! Salam alaikum, ami. Une question. Comment vous appelez? Younes. Enchanté, Younes. Tu parles un peu français? Parlez français. Peu, ouais. Ok, pas de problème. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Fait pas le bonheur, mais pour survivre. Ça veut dire que c'est l'argent est... Riche. Ok, pour vivre. Pour vivre, c'est pas, fait okay. Pas le bonheur. Donc, c'est quoi? Ça veut dire que si t'as pas d'argent mais que tu vas à la plage... Tu riches le bonheur. T'es heureux. Donc, oui. L'argent fait le bonheur s'il y a la plage. Oui. Et s'il y a pas la plage?
Pas le bonheur. Ok, ça marche. Allez, ciao. Ciao. C'est quoi la finalité du coup? La finalité, c'est que la plage, ça rend c'est l'argent. C'est le bonheur. La plage, c'est comme l'argent. Sauf que tu peux pas acheter des trucs avec. Yasser, si t'es un vrai entrepreneur, tu fais 5 pompes. Allez, c'est bon, les gens te voient. Prêt à tout pour montrer qu'il est entrepreneur. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Le montage. Le montage. Le gars qui est mort dans GTA. Oh, l'échec. Bonjour, salam alaikum. Comment vous appelez? Hassan. Hassan. Hassan, vous parlez français? Oui. Ok, vous faites quoi dans la vie? Je suis ingénieur. Ingénieur, ouais. Ok. Ingénieur dans quoi? Ingénieur dans la distribution de matériel électrique. Super, mashallah. On a une question. Oui. La question, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent fait le bonheur. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'argent, c'est le malheur? Non, c'est pas le malheur, c'est que ça dépend comment on traite les choses, mais l'argent, il est prioritaire. Salut frérot, ça va? Salut frérot. Tu t'appelles comment? Yassine. Yassine, tu parles français? Bah ouais. T'es d'où? Je suis Maroc, moi. Du Maroc, t'es Kazaoui? Ouais, Kazaoui, 100%. Okay. Mais t'as un français très propre, hein. Oh, merci. Ah, bien, tranquille. Vas-y, Marouane, petite question. La Belgique, la Belgique. Ouais, d'être heureux dans sa Clio. Est-ce que l'argent, il fait le bonheur? Ouais, même si je suis pauvre et heureux, mais l'argent. Donc là, c'est pas logique. Il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Attends, regarde. Attends, pas chouchou. Ouais, ouais. Quelle performance de Yasser le patron, Digital Nomade. Les gars, on a une question à vous poser. On a une question. C'est quoi ton prénom? Mais Amin. Amin. Je m'appelle Amin. Anas. Anas. C'est quoi vos prénoms? C'est Amin, ouais. Toi aussi Amin? Ouais. Allez. Le Covid, c'est fini. Oui, c'est fini. Ça fait le Covid, celle-là. Celle-là. Ça, vous pouvez enlever les masques. Non, je ne peux pas. Mais ça veut dire vivre, c'est pas le bonheur. C'est pour acheter de la... à quoi manger, pour vivre, pour la Alors maison. Alors c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est la prière. Fais le Coran, fais bien avec les gens. Le comportement. Ouais, le comportement, ça veut bien. Ça veut du bien. Excuse-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup. Et ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur pour moi. Et vous faites la prière, vous lisez le Coran. Alhamdoulilah. Et vous avez un bon comportement. Ouais, donc vous êtes heureux. Ouais, je suis heureux. Alhamdoulilah. L'argent ne fait pas le bonheur, mais tu peux survivre avec l'argent. Sans argent, c'est un peu difficile. La famille aussi, c'est important. Ouais, bien sûr. La famille, c'est la première chose. Mais le din, c'est l'important. Et après la famille, la santé, ça vient. C'est toujours la santé, mon frère. Merci. Younes, c'est ça? Oui. Ok, vous faites quoi dans la vie? Je suis un entraîneur de volleyball. Entraîneur de volleyball? Ouais, je vis en Islande, je ne vis pas ici. Ah, vous vivez en Islande? Ouais. Ça se passe comment en Islande? Ouais, ça va. C'est Islande, le Maroc, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Il fait froid là-bas, ici, c'est. Là, vous êtes là en vacances? Moi, je suis en vacances, oui. C'est où en Islande? En Reykjavik. Reykjavik? Ouais. Ah, stylé, stylé. Ça, c'est un nomade. On a un nomade ici, sportif en plus. Moi, je suis d'India, moi, je vis. Tu viens d'ici? Ouais. Ok. Et t'es parti en Islande? Ouais, ça entraîneur volleyball. Ouais, ça fait 25 ans que je vis là. 25 ans. Okay. Merci beaucoup. Sans problème. Un Marocain islandais. Et tu vois, j'aurais pas osé aller le voir. Parce que, bon, après, t'es plus âgé que moi. Donc, peut-être qu'il y a un. Il faut voir tout type de personnes. Parce que la richesse, elle se trouve dans toutes les origines. Moi, j'aurais et dans pas tous osé. Les âges. J'aurais pas osé. Est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Hello, bonjour, salam alaikum. Qu'est-ce qu'elle mobile français? Oui, c'est bon? Un petit peu, pas de problème. Comment tu t'appelles? Mehdia. Mehdia. Hene. Question très importante. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Bah oui. L'argent, il est prioritaire sur le bonheur. Sur le bonheur. Donc, ouais. Il est prioritaire sur la famille, sur la santé. Ouais. Ça veut dire, si on n'a pas la santé, si on n'a pas la famille, mais on a l'argent, on est heureux. Non, l'argent, il peut créer de la famille, de la santé, il peut tout faire. Oh, pas mal, pas mal. Pas mal, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ça, c'est intéressant. Ouais. Mais est-ce que vraiment l'argent peut créer la famille? Est-ce que l'argent peut créer la famille? Est-ce que je suis en train de réfléchir à ça? Est-ce que je dois payer pour... Le caméraman, il court depuis tout à l'heure. Attends, mais acheter pour payer une famille? Est-ce que ça serait pas un business, ça? On a une petite question. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Tu fais quoi dans la vie? Je fais des études de médecine à Gaza. En quelle année? Je passe en 4e année, Inch'Allah. Toi, t'es Kazaoui? Ouais. T'es 100%? 100%. Ok. Aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? L'argent contribue au bonheur, c'est un peu la réponse bateau, mais... L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Merci, c'est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Il a dit bateau. Ah, c'était ma réponse. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Mais c'est quoi du coup la vraie réponse? Si on n'a pas la santé, si on n'a pas la famille, tout ce qui s'accompagne. Bah donc c'est vrai, ça contribue. C'est un médecin qui ça parle. Contribue. C'est un futur médecin qui parle. Mais l'argent, ça aide beaucoup à être heureux et à bien vivre sa vie et à pouvoir faire ce qu'on veut. Et voilà. Mais merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Être médecin? Bah déjà la réussite. Mais médecin dans quoi? Tu veux te spécialiser dans un... Plus tard, Inch'Allah. Dans quoi? T'as une petite idée? J'ai pas encore vraiment d'idée, mais j'ai mes petites... T'as des petites idées, ouais, t'as voilà, des idées, mais t'as des petits penchants. Ouais, je vois. Exactement. Je vois. Merci beaucoup. C'est merci beaucoup. Ok, donc Amin. Et Amin et Anas. Anas. Aujourd'hui, on a une question. Oui. Qu'est-ce que Moulier, tu comprends quand je parle? Oui, je comprends en français. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Mais là, t'es heureux là? Ouais. Mais non, mais c'est vrai, non, mais attends. Donc, l'argent fait pas le bonheur? Demi-heureux. Ok. Avec l'argent, donc, je serais heureux. D'accord. Donc, l'argent fait pas le bonheur, mais il augmente le bonheur. Bien sûr. Super. Et vous, vous pensez quoi? Nous, on pose juste les questions. On est là, nous, on est là, on est malheureux, on n'a pas d'argent. C'est pas grave, tranquille. Mais allez, on est en train de chercher l'argent, là, on est en train de monétiser les vidéos. T'inquiète. Grâce à Kenza, voilà. On va avoir l'argent grâce à Kenza, voilà. Merci Kenza. Vous avez besoin d'argent, voilà. On te contacte ? Ouais, bien sûr. Super, merci beaucoup. Allez, merci à plus. Ciao. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis étudiant, moi. T'as quel âge ? 17 ans. T'étudies dans quoi ? J'ai le bac. T'as le bac ? Ok, ça marche. T'as 17 ans, t'as le bac ? 17 ans. Eh, t'as sauté une classe ? Ouais, t'inquiète gros, t'inquiète. Il s'est arrangé t'inquiète. Sur Snap. Ouais, bah, ouais, tu fais pas 17 ans. Ouais, j'ai plus. Au moins 35. Non, ouais, je rigole. Non, aujourd'hui, j'ai le sujet, c'est ouais. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ouais. Et si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Ouais, aussi. Bah oui, logique, l'argent fait le bonheur. Parce que, par exemple, on va juste prendre l'exemple, si t'es malade, et si tu dois faire une opération et t'as pas l'argent, et t'as pas l'assurance, tu vas faire comment? Et c'est obligé. Est-ce que ça fait le bonheur ou est-ce que ça y contribue? Bah c'est... Tu dois parce que ça l'argent. Fait pas tout. Ça fait pas tout ouais, l'argent. Mais c'est important. Tu peux avoir pas l'argent et t'es heureux dans ta vie, c'est ça le truc. Donc ça fait pas le bonheur du coup. Mais dans un cas, si tu veux profiter, tu veux voyager, tu veux sortir avec tes potes, tu veux tout, il faut toujours de l'argent. Donc ça veut dire sans argent, tu peux avoir le bonheur, mais tu peux augmenter le bonheur. Voilà, c'est si ça. T'as l'argent. Voilà, si t'as alors l'argent, t'as beaucoup de possibilités de faire plus de trucs. Non, c'est pas le bonheur, tu sais. Happiness. Il y a aussi le love et les parents. Les parents aussi font le bonheur. Ça marche. C'est pas... On est des pauvres et on est bon. On est heureux. Ouais. T'es romantique ou pas? Oui, j'ai romantique. T'es romantique? Ah, elle est, oui, romantique. Elle s'appelle comment ta copine, ta femme? Ma copine. Elle est où ta copine? J'ai beaucoup. T'as beaucoup, ah ouais. C'est pour ça qu'il sort cagoulé, parce que... Il veut pas se montrer, voilà. Ça veut dire sans argent, t'es malheureuse. Bah ouais, quand même. Quand tu veux faire quoi sans argent? Est-ce qu'en ce moment, t'as de l'argent? Bah moi, je suis encore jeune, c'est mes parents qui... Donc ça veut dire que t'es malheureuse? Bah non, parce que j'ai mes parents. Sinon, ah, si donc tes parents, ils ont de l'argent? Oui. Donc ils sont heureux? Toi, t'es heureuse? Bah ouais. Y'a pas de problème? Non, y'a pas de problème. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Pas forcément. Bah oui. Pourquoi? Bah je sais pas, pour moi l'argent ça fait pas le bonheur. C'est quoi qui fait le bonheur? Bah tu peux sortir, y a la famille, y a tes amis, y a les chats et tout. Fin. Les chats? Alors pourquoi y a des gens, ils ont beaucoup d'argent, ils sont malheureux? Ouais, parce que eux ils savent pas utiliser son argent, ils font n'importe quoi avec. Y a des gens qui ont l'argent mais qui font rien. Voilà, il faut savoir utiliser l'argent. Mais par exemple, nous on n'a jamais eu l'argent. Donc, comment on sait si on va bien l'utiliser ou pas? Là, toi, moi j'ai l'argent. Bah, c'est ça, il faut juste savoir l'utiliser. Si ça se trouve, on va mal l'utiliser. Ouais, parce qu'on n'a pas appris à l'utiliser. On n'a pas été éduqué financièrement. Ouais, c'est ça le truc. Mais il faut juste bien réfléchir, prendre les bonnes décisions et c'est tout. Hein. Ok, ça marche. C'est la vie simple. Hein. Merci beaucoup, frérot. Ouais, merci, frérot. Merci, frérot. Et puis, on te souhaite beaucoup de bonnes choses. Tu veux faire quoi, toi, plus tard? La vérité, c'est pas, j'ai aucune idée. Moi, je veux juste avoir de l'argent. Ah ouais? À n'importe quel prix? Ouais, n'importe comment. La drogue? Non. C'est filmé. C'est filmé. Ah si, c'était en haut. Toujours là. Ok, merci beaucoup. On va voir si Yasser, il va courir. Attends, je suis Yasser. Yasser qui est parti. Il n'avait pas fait ce record depuis 2006 au JO d'Australie. Et là, il repart. Il commence à se remettre au sport, à se remettre à son top niveau. Et là, il est reparti. Top! Top!
Et là, il est parti. Yasser. Yasser, le patron, Yasser Digital Nomad, il est parti. Et il s'élance. Et il s'arrête plus. Et oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Quelle performance. Après 42 km, ça fait du... C'est la même blague. Oh, les gars, vous me faites courir, vous me faites faire des pompes. À la base, je voulais juste poser des questions à des inconnus. Salam alaikum. Bonjour, bonjour. Une question. Oui. Comment vous appelez? Ça va, Abdel. Abdel. Ouais. Abdel, juste Abdel. Abdelhaq, c'est le Abdelhaq, voilà, là, c'est le prénom. Abdelhaq. Abdelhaq. On fait des micro-trottoirs. Ouais. Et aujourd'hui, le sujet, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? Non. Ouh. Oh, c'est radical. T'as beaucoup. Oh, t'as beaucoup. Partage. Partage. Oui. Tous les. Si lui, il n'a pas. Lui, il n'a pas de copine. Donne-lui une. Ah, je te donne un. Tu lui fais. Non, non, ça fait, ça fait. Non, il lui faut une. Il lui faut une. Elle habite aux fesses. Elle habite à la fesse. Fesse gauche. Ouais. Les chats. Les chats. Normalement, on entend la santé. C'est les chats. T'as combien de chats? J'en ai beaucoup. Attends, elle allait dire 20, je croyais. J'en ai 6. J'en ai 6. Comment ils s'appellent tes chats? T'as oublié? Non, 6 chats, on n'a pas le temps là. 6 frères. On n'a pas le temps là. Non, mais je vais voir si elle a oublié ou pas. Tu vois, non, non, il y a Kirikou, il y a Wish. Attends, stop, stop. Il y a H&M, il y a Zara. Il y a McDo, Burger King, on va. C'est pas genre une. C'est le partage. Oh, les Marocains, les Marocains sont généreux. Attends, c'est pas une personne. Ils partagent leur femme. Ils me passent son WhatsApp. Son WhatsApp. Nora, Nora, elle s'appelle. Masha'Allah, Noura. C'est bon? La photo de profil, c'est juste une main. Non, je vais me faire une main. Non, je suis... Elle a beaucoup de filles. C'est... Donc, toi, c'est ma copine dans le billard. Ok, ça... Dans... Elle est dans le billard. Il vous dit que... C'est la boule noire. Ah, d'accord. Ta copine, elle tient le billard. C'est le mec. Jouer avec moi le billard. Ok, c'est le billard. Attends, stop, stop. Il y a deux noms. Il y a Kirikou. T'as oublié Kirikou? Elle parle de Kirikou, oui. Attends. Pourquoi? Tu vois, la question était pertinente. Bah, si j'allais pas dire les prénoms. C'est vrai, pardon, désolé. C'est, on n'était pas prêts. Tu peux finir les noms. Kirikou. Kirikou, Wish. Okay. Shinzi. Okay. Grizzly. Okay. Grizzly. Y'a Swerte. La quoi? Suerte. La Suerte, ok. Ouais, et il y a Gargamel. C'est un espagnol, lui. Oui. Il y a Gargamel. Ok. Il y a... Meskin, tu l'as oublié. Calo-Calo. Calo-Calo. On va aller chercher celui-là aussi. Hein. Ah, qu'elle s'en souvienne plus. Calo-Calo. Hein. Bon, ben, on te souhaite tout le bonheur avec tes chats. Et il n'y a pas de mari pour l'instant? Non. Il va être étonné par Kirikou et la bande. Et oui. Bon, on vous souhaite le meilleur. Et on te souhaite l'argent, du coup. Merci. Sinon, c'est le malheur. Sinon. Voilà. Les gars, c'est fou ce qui se passe. Ça n'a aucun sens. C'est ça que j'aime. C'est qu'on fait des vidéos. Et ça, il m'a dit ouais, on fait une intro. Ensuite, on coupe. Non, c'est pas ça la vie. La vie, tu coupes pas. La vie, ça se coupe pas. Parce que quand tu coupes la vie, bah la vie, après, elle te coupe. Think about that. Je dis n'importe quoi. C'est quoi le défi? C'est un défi. Pompe. Traction. Oh, eh oh. Depuis tout à l'heure, on fait que de... Non, il a fait 5 pompes. Non. C'est quoi, des pompes tout à l'heure? Des tractions. Des tractions. 50. Des tractions. Vas-y, chuchot, vas-y. Triceps. Donc la pompe, tu vas en faire combien? Pronostic. Combien de pompes? 50. Baraka. Oui. Allez. 50. Mais et toi? Il aide le 50, je fais 100. Ouh, il y a quoi à gagner? La fierté, l'ego. Allez, c'est parti. Allez, bismillah, on y va. D'un côté, Amine qui y va. 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 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 Vas-y. 47, 48, 49, 50. Lâche rien. Vas-y, champion. Vas-y. Vas-y, va jusqu'à 70. C'est facile, 50, vas-y. Bravo. Du coup, Mathias, maintenant que t'as parlé, tu vas faire 100. Ah non. 100. Ouais. Ha ha.
100 ? 100 ? Ouais, 100 c'est le minimum. Vas-y. S'il fait 100, tu fais 200 ? Ouais. 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça commence très mal parce que je sens qu'il est déjà fatigué. Il est déjà fatigué. Un petit mot. 17. Franchement. Aujourd'hui, je fais le ramadan en fait. Oh le mytho. 24. Il a mangé Burger King avec moi. 28. Ah ouais. Vas-y, vas-y. Respire. 30. Vas-y. C'est pas fini. 32. 32. 34, 35. 36, 36. Petite question, vous pensez qu'il va faire 100 pompes là? Hein? Non? Il peut pas. Il est lent. Hooper! Qu'est-ce qu'il se prend pour Burger King? Oh, bien joué quand même! Elle dit 100! 100? Entre nous. Non, tu sais quoi, tu fais le max. Le max. Tu fais le maximum. Maximum. Jusqu'à ce que t'en puisses plus. Parce que tous ont dit que oui. Et ça contribue, etc. Non. Donc là, c'est... Non. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Je vais faire la arabe, mais je suis un peu plus. Il y a des choses qui sont dans la vie. Donc il y a deux choses qui rendent heureux. L'islam est la première chose. La santé et la religion. Voilà, la santé est ce qui fait tout ce qui fait. C'est ce qui fait le mal. C'est le mal qui fait. C'est vrai. C'est la santé, ouais, c'est vrai. C'est vrai. La santé, c'est important. La santé est le bonheur. C'est la santé et le bonheur. Eh oui. Mais parce l'argent, parce qu'il y a des gens, ils ont dit si j'ai l'argent, j'ai les médecins, j'ai les médicaments, donc j'ai la santé. Non, je suis une émission française qui a beaucoup de choses. Quand tu as le flou, tu ne dis pas tout. C'est vrai. Moi, je le flou, tu as la santé. Tu as la santé, tu as la santé, tu as la santé. C'est vrai. Et vous, vous avez la santé? Alhamdoulilah. Donc vous êtes heureux. Alhamdoulilah. Et vous avez l'argent. Alhamdoulilah. Donc vous êtes encore plus heureux. Non, alhamdoulilah. Le minimum, ce qu'il faut. Halaj qui te dit, halaj qui te dit, hana, sahak yeli qui te dit tout. C'est la santé qui fait tout. Voilà. Ok, ça marche. Sahak yeli tout. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Abdelhak. Je vous dis que le maire qui dit le bonheur, ou le maire qui dit le bonheur. On a qui ramène qui te dit que ça, qui te dit tout. Ouais, je comprends. Merci beaucoup Abdelhak. Attends. Oh, il a enlevé la casquette. Il l'a mise à l'endroit. Quand on met une casquette à l'endroit, c'est que souvent, c'est sérieux. Vas-y. Zama, tu marches. À chaque fois, tu marches. Juste, tu marches. Ouais. Et lui, vous, vous avez compté ou pas? Vous avez compté? Vas-y. 12. Vas-y. Ouais. On dirait des touristes, frérot. Combien? 40. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Kimmel. Ouais. T'as fait combien? T'as fait combien de pompes? 45. L'oxygène. Oxygène. Alors que moi j'avais l'oxygène, tu vois. Il n'y avait pas les pompes. Bon, merci les gars. Merci. Bye. Salam alaikum. Est-ce que tu parles français? Non. Ah. Je lui dis, est-ce que tu parles français? Il m'a dit non. Est-ce qu'il se moque de moi? Je pense, parce qu'il n'avait pas du tout d'accent. Et donc, c'est pas grave. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. Salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Petite question. Une question. Ok, pas de problème. Ok, ciao. Non, mais il y a... Tu vois, quand c'est le micro... Mais oui, mais il y a un gars, celui qui est passé là-bas, là. Je lui dis, ouais, est-ce que tu parles français? Il m'a dit, non. Sans accent. Il a dit sans accent. Sans accent. Bon les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Vous avez vu, finalement c'est partagé. Il y en a qui disent que l'argent fait le bonheur. Ah ouais. Parce que tu peux acheter la santé, tu peux acheter la famille. Il y en a qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, que la famille ça suffit, que la santé ça suffit. Avis. Et l'amour, mitigé. Il y en a un qui nous a dit l'amour et il a 16 ans. Il est romantique. Il est romantique. Ça, et il a beaucoup de copines. Ça c'est. Et aujourd'hui j'ai fait mon quota de sport
à cause de toi. Il n'en peut plus, il n'a plus de bras. Mais surtout, quelle indignité. Quelle indignité. J'ai commencé à prendre le micro. Le gars, il me dit, ouais, je parle pas français alors qu'il parle français. C'est pas possible. Personne ne veut me répondre à mes questions. C'est comme ça. Il y a des gens comme ça, c'est comme ça. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Ton avis nous intéresse. N'hésite pas à laisser un gros pouce. Ça permettra de déjà m'encourager et ça permettra de faire décoller la chaîne. Et on se dit à la prochaine pour un futur micro-trottoir dans une autre ville et dans un autre pays dans le globe. Ciao, ciao.